Je peux comprendre l'inquiétude qui consisterait à se dire on va avoir une grande majorité de jeunes qui ne va prendre l'habitude que de lire des mangas. La micro-polémique qui a eu lieu au moment où le Pass Culture a vraiment très bien fonctionné auprès des jeunes et qu'on sait aujourd'hui que plus de 68% de leurs achats sont des livres, une partie des observateurs de la lecture ont dit oui, mais la majorité des acquisitions et des achats de livres, ce sont des mangas. C'est la réalité, en tous les cas ça l'a été très fortement, mais on se rend compte aussi que sur plus de 60% des jeunes qui sont sur le Pass Culture, qui a dû satisfaire une envie profonde, ils repartent pour 60% d'entre eux avec un autre livre, qui n'est pas un manga, qui peut être une bande dessinée, qui peut être un roman. D'ailleurs, majoritairement, c'est un roman.